Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, j'ai une grosse journée qui m'attend. Aujourd'hui c'est la journée de Japan Expo les amis, Japan Expo. Donc je suis complètement démonté, claqué, mais c'est pas grave, on va bien s'amuser. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Donc voilà les internautes, là je suis prêt pour aller à Paris. Je vais prendre mon Blablacar, ouais évidemment, parce que moi j'ai pas le permis évidemment. Et donc let's go les amis, let's go. On est tout seul à 6, à quelle heure là, 6-7 heures du matin. Je me suis jamais réveillé aussi tôt quand je suis en vacances. Mais c'est pour une bonne. Bon bah les amis, on vient juste de finir de sortir de la voiture. De Blablacar, là on va prendre le métro, c'est ça, le RER. Donc là on est à Roissy. Non, on est, je sais même pas où on est à Roissy. Et je sais pas comment on va faire, on va galérer, on va vraiment galérer pour arriver à Japan Expo. Donc c'est ça l'aventure, c'est ça les vacances. Donc voilà les amis, on a quand même réussi à avoir le premier bus. Là, on attend toujours le deuxième qui va nous permettre d'aller où déjà? À la gare. Charles de Gaulle 2. Donc, c'est un peu galère quand on est du Nord de connaître tout ça. C'est un peu compliqué. Mais on va y arriver. On va y arriver. Donc là, on attend le bus qui arrive dans 6 minutes. On va essayer le bus. Et là, les amis. Alors on attend. Donc là, on va faire 40 minutes, 30 minutes de queue juste pour acheter deux petits tickets. Regardez la queue jusqu'à le bas, tout au fond là-bas. Juste pour acheter deux petits tickets pour prendre. Là, nous commençons déjà à voir quelques petits déguisements à l'horizon. Oui, voilà. Bon bah ça y est les amis, on y est. Après une heure de route pour arriver au parc d'exposition. Une heure, non. On a mis à peu près une heure quoi. Avec donc, la queue et tout, c'est pour ça. Ouais, donc on a quand même réussi. Donc regardez les amis. Donc là on va repasser une seule fois nos tickets et après on y est normalement. Après, il y a vraiment beaucoup de monde quoi. Il y a beaucoup trop de monde. C'est un truc de fou. Nom d'une réalité virtuelle. Ouais. Ça, en plus, on a vraiment le soleil. On a des gens qui gueulent. Il y a plein de monde. On va se marcher dessus. C'est ça, Japan Expo. Si on se marche pas dessus, c'est pas normal. Bon, bah, ça y est. Là, on est au couloir de la mort. Là on est dans le couloir de la mort là. C'est le couloir le plus long qui sert à rien. Regardez tout le couloir qu'on doit se taper. Jusque là-bas au fond. Ça s'annonce, on a pour moins 10 minutes de marche là. Bon bah les amis, ça y est, on y est, on a fini. On est passé tous les escaliers, tout, on y est. C'est comment vous dire ça? Ça va être une journée magique, mémorable. Et forte en chaleur surtout. Et là les amis, on va rentrer dans le paradis des geeks du Japon, de tout là. On a le portail qui est juste là, qui va nous séparer du vrai monde. De Marcus, on va aller le rendre visite et voir s'il est là en fait. Ah ouais, il y a Marcus, c'est pas vrai, il est là. Il y a Marcus qui est là-bas, les amis. On a midi, 15h, 16h et 17h. Midi, 15h, 16h et 17h, c'est ça? Midi. Merci bien. Là, j'ai rangé dans mon portefeuille.
les amis, on va voir le stand de Nintendo Switch. Si je peux, participer au tournoi de Mario. J'avais vraiment du mal avec celle-là, je la connaissais pas du tout. C'est ça, c'est un serré quoi un peu comme ça, mais en temps. Ok, ça va durer 3 minutes. Ça c'est un petit contact, on peut rencontrer, c'est pas mal. Bienvenue à bord les petits amis, désolé pour le retard, j'étais un peu bavard avec mon petit camarade allemand, mais on va essayer de rattraper ça. Donc là les amis, on est dans le stand de Marcus. Donc là, on attend un petit peu pour le voir, donc ce qui est bien dans son stand, c'est que jouer à pas mal de jeux avant de le voir. Regardez, dans 2-3 minutes ça nous en fait, donc j'espère que ça va bien se passer et on se tient tout à l'heure les amis. Avant de rattaquer, j'ai pu rencontrer Marcus en vrai, il est juste excellent. On a parlé un petit peu de tout, du jeu vidéo, de rétro gaming, la Switch, de Julien Chiez, on a parlé un peu de tout, de Julien Deluc aussi. Donc c'est juste excellent quoi. Donc on continue à regarder les stands.